relations sont engagées par la Vénérique avec les suspicions de produits toxiques. Le projet de commandement avancé s'est approché de la porte dans le 4-4 pour surveiller les opérations. Un robot terrestre vive la manœuvre en appui de l'assaut de la libération des otages. La pire dans le PVP qui ne pouvait faire le groupe avec des diversions à l'ambulance pendant que la France pénètre dans le bus par arrière. Le tueur qui va être vaincu de faire rentrer l'ambulance. Le deuxième tour est évacué comme ici au contact, tout évacué par la porte arrière pour les mettre en sécurité derrière le groupe blindé. Ils sont pris en charge par la CSI et amenés au PRP. Le piégeur d'assaut procède à la levée de l'explosif et à blesser. Il est équipé de différents détecteurs chimiques et de matériel permettant des prélèvements d'urgence. Les piégeurs d'assaut font partie du laboratoire central de la protection de l'autobus de LCPP. La 2 est systématiquement intégrée à la colonnage 30 de la VLU. Pour l'évaluation du risque, il se coordonne avec l'équipation chimique du laboratoire engagé sur le site. Une dépressurisation sous protection de la BRI alerte sur la présence d'un produit de l'orion atmosphère détecté par les capteurs dont il est équipé. En parallèle, les victimes sont prises en charge par les sapeurs-pompiers qui sont en contact permanent avec le médecin de la BRI. Ceci exécute le premier geste et son niveau d'urgence si nécessaire. Une décontamination d'urgence est effectuée sur les victimes potentiellement contaminées. La première coupe de vêtements est retirée afin de limiter tout transfert de contamination ou risque d'intoxication secondaire. Ces mesures de précaution sont suivies tant que le toxique n'est pas identifié. Le dépliseur d'assaut a neutralisé l'engin chimique explosif improvisé et effectue un prélèvement d'atmosphère en bus qui est immédiatement transporté à ses collègues de LCPP. Le dépliseur transporte le prélèvement à ses collègues du LCPP positionné dans le laboratoire mobile afin d'identifier le ou les types d'agents utilisés. Les prélèvements sont pris en charge par les experts du laboratoire mobile du LCPP. Identifient la nature chimique de l'agent et confirment la présence de chlore. Ils excluent la présence de tout autre type d'agent toxique, notamment de persistants tels que le toxique de dérivés. Ils procèdent à l'adaptation des mesures au niveau de la menace, protection des intervenants, gestion de l'affaire et des victimes. À ce stade de l'intervention, un SAS inter-service aurait par ailleurs été déployé avant de procéder à la prise en charge de différents intervenants. L'identification réalisée sur le cas du produit de l'huile, un produit non contaminant et la confirmation de l'absence d'autotoxiques permet d'alléger le dispositif et les mesures de protection et de prise en charge particulière.
un chauffeur de la RATP spécialement formé et équipé face au risque RBC va évacuer le bus sous protection de la CS75. Depuis plusieurs années, la RATP forme certains de ses personnels à exercer leur mission en ambiance de RBC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette démonstration dynamique proposée par la préfecture de police de Paris est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention.